Petite nouvelle du jardin et du potager de l'école. C'est parti. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avions planté des plantes aromatiques, des pommes de terre, des radis, des petits pois, des tomates, des courgettes et des framboisiers. Et nous avions même pu déguster notre récolte. Vous voulez voir? Rappelez-vous, regardez. Eh oui, c'est vous en train de planter. Nous avions mis du basilic, de la menthe, de la mélisse, du romarin et du persil. Voici un petit peu nos récoltes. Vous rappelez, on avait ramassé des courgettes, des tomates, des petits pois, des fraises, des petits pois qui étaient en train de mûrir et les pommes de terre. Et avec tout ça, enfin, sauf les fraises bien sûr, nous avions fait une bonne soupe. Qu'est-ce qu'on s'était régalé. Et maintenant regardez, malgré notre absence, le jardin et le potager ont continué à pousser. Preuve que vous avez tous bien travaillé l'année dernière, bravo. Les fraisiers, eh oui, les fraisiers sont en fleurs. Même les premières fraises sont en train de se former. On va se régaler. Il y a des pieds de pommes de terre qui repoussent dans le potager. Et oui, on a dû oublier de ramasser 2 pommes de terre l'année dernière. Du coup, elles ont germé et ont donné 2 nouveaux pieds. Les plantes aromatiques, regardez comme elles ont poussé. Ici, nous avons le romarin, la menthe et le persil. Partout dans l'école, le jardin s'éveille. Ici, ce sont les centaurées des montagnes qui nous font de très belles fleurs. Là, on a les framboisiers qui repoussent. On va peut-être pouvoir manger des framboises cette année. Et ici, encore une plante aromatique, la ciboulette. Alors maintenant, à nous de jouer. Pas parce qu'on va pas se laisser arrêter par un vilain microbe. On va continuer le potager cette année. Ainsi, en septembre, quand on se retrouvera tous pour de bon, on pourra profiter de nos récoltes. Miam miam.